C'est l'étape la plus sensible du convoyage parce que c'est l'étape la plus longue. Les avions ont passé deux nuits à Cangères-Lussac. Il y a du vent de face, il n'y a pas de terrain déroutement, il n'y a pas de terrain dégagement. Donc voilà, c'est pour ça que c'est l'étape la plus sensible. Heureusement, il fait beau à l'arrivée, ça va bien se passer. Avec le froid, ça va bien, il n'y a personne du Groenland, au Canada par les cons. Donc les avions